Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'Early Access de Planet Crafter. Alors grosso modo, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On avait débloqué le quartz pulsé, le manipulateur d'ADN au dernier épisode, on les avait pas fait. On avait une nouvelle lampe, j'en ai posé une juste pour tester entre-temps. J'ai trouvé une base et il y a une petite surprise dedans aussi au passage. On avait aussi débloqué les vitrines, on va essayer de les, enfin, d'en faire une pour voir ce que ça donne. Et il y a pas mal d'autres choses qui ont changé. On a aussi débloqué d'ailleurs au passage le producteur alimentaire de tier 2. Donc normalement il est censé être beaucoup plus efficace que cela. Donc on va les remplacer au fur et à mesure dans l'épisode. Bon, et aussi une petite chose que vous avez ratée par contre, c'était un événement. Il y a eu une tempête de météorites là. Donc il y en a plein qui se sont écrasés. Et c'était blindé d'osmium. Donc autant vous dire qu'en osmium, on est refait pour l'instant. Alors hop, je vous montre juste ça. Vous voyez, on en a plein. Et j'ai même pu rajouter quelques petites machines par-ci par-là. On en a une de plus ou deux ici. Donc bon, c'est pas mal du tout. Et je vais vous montrer un petit détail. Alors j'ai discuté avec un viewer et en gros, on parlait des extracteurs. Et en fait, une chose que j'avais pas remarqué, c'est ici, vous voyez, il y a marqué fer, tout simplement, parce que quand je suis là, ah bah c'est peut-être une autre. C'est peut-être une autre météorite d'osmium, ça. Je vais vous montrer. Alors, où est-ce qu'elle se crache la prochaine? Ça, c'en est sûrement d'ailleurs. Et boum! Oui, c'en est une. Parce que ça fait vraiment bleu. Donc là-dedans, normalement, il y a un paquet d'osmium. Bon, enfin, faut les trouver. Ils sont en dessous des rochers en général. Et quand les rochers vont commencer à despawn, on pourra en avoir pas mal. Alors, ça a pété là-bas. Je vais quand même bien vous trouver un bout d'osmium, histoire de vous dire, oh non, t'es dans ma base vraiment, toi, t'abuses. Ah, voilà, regardez. Hop, de l'osmium. Donc du coup, pour l'instant, l'osmium, bah, c'est plus une denrée ultra rare. Bon, théoriquement, il nous faudrait les extracteurs de tier 2 pour pouvoir en avoir. Alors, bah, je vais vous montrer ça pendant que la tempête arrive. Et au retour, je récupérerai ça quand ça sera un peu calmé. Parce que là, tant qu'il y a des cailloux partout, c'est un petit peu compliqué à ramasser. En fait, tout simplement, les extracteurs, on les a déplacés. Et regardez bien ce que ça donne. Alors ça, c'est la nouvelle lampe. Elle éclaire bien. En fait, le truc, c'est qu'elle n'a pas l'espèce de truc par-dessus, là, comme avaient les autres. C'est où? C'est en déco, je crois. Voilà, ça, c'est pas les projecteurs. Et du coup, bah, au moins, on peut les placer un peu partout. Donc ça, c'est pas mal pratique. Et regardez bien ici, en fait. Alors, il y a de ça qui arrive un petit peu partout, là, de la zéolite. Et regardez, j'ai mis un extracteur ici. J'aurais peut-être pu le mettre ailleurs. Mais quand je clique dessus, regardez, ça me donne de l'iridium. Et il y en a ici. Donc là, je le récupère pas parce que je suis pas là pour ça. Mais réellement, voilà, on va avoir. Donc j'en ai mis un au soufre, j'en ai mis un au titane. Donc pour l'instant, avec le tier 1, c'est ce que j'arrive à avoir. C'est les ressources qui me manquaient un petit peu jusque-là. Bah du coup, c'est réglé. On n'a plus de problème là-dessus. Alors, c'est un champ de ruines. Il y en a partout. Alors la première fois que ça m'est arrivé, je m'inquiétais, je me disais, oh là là, ma base, elle va être complètement foutue. Mais en fait, non, hein, comme je vous le disais, ça despawn. Et au passage, ça donne aussi du soufre, hein, ça. Donc bon, réellement, le soufre, on en a plein et on a un extracteur surtout. Donc ça, je cours pas vraiment après. Autant par contre, l'osmium, ça fait toujours plaisir à prendre. Ça nous permettra de faire plus de machines. Hop, alors où est-ce qu'il y en a? C'est toujours délicat de les voir. Mais il doit y en avoir un peu partout. Hein. Là, il y en a un, je le vois. Hop là, il y en a même deux. Ah, je peux pas y accéder. Parce que les rochers ont une physique, tant qu'ils sont là, après, ils vont despawn et ça va passer. Mais du coup, là, ils m'empêchent réellement de rentrer. Hein. Et réellement, regardez, dans ma base, il y en a un morceau. Ah bah tiens. Coucou toi. Hop, là, j'ai l'impression qu'il y en a un aussi ici. On va le prendre. Je sais même pas si je peux accéder à mes stocks, du coup, là, pour l'instant. Bon, mais après, ça m'est arrivé exactement le même cas de ces figures, hein, il y a à peu près 10 ou 15 minutes, en réalité, avant l'enregistrement. Hop, mais j'étais pas en train de règle, donc je voulais vous en parler. Ça tombe bien, ça illustre au max ce que je voulais vous dire. Alors, on va essayer de rentrer dans la base. Non, mais franchement, les gars, c'est pas correct, ça. Bon, on peut rentrer par en bas. Oh, là-bas, je t'ai vu. Alors, enfin. Ce jetpack de tier 2, il est quand même vraiment pratique. Alors, je me suis fait une armoire poubelle où je peux mettre tout ce que j'ai en trop. Donc là, pour l'instant, on va déposer. Ah, bon, bah, mon armoire poubelle est remplie. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Bonjour. Il y en a partout. On va la mettre là-dedans. Ah oui, j'avais aussi une puce que j'ai trouvée en me baladant. Et ça, réellement, bah, du coup, je voulais enfin, vous montrer pour ceux qui avaient raté ça la première fois. Hop. On peut les détruire et on récupère, vous voyez, par exemple, de l'alliage.
une puce de tir inférieure, puisqu'on récupère exactement l'inverse du craft. Bon, je vais poser ça et vous avez compris. Mais en gros, l'intérêt, c'est qu'au moins, on n'a pas du stuff en double. Et du coup, bah, on peut en faire. Enfin, on peut récupérer des trucs intéressants avec, quoi. Hop. Alors, on va poser tout ça et on va partir un petit peu à l'aventure. Donc, il nous faudrait de l'eau. Il y a un nouveau truc aussi qui s'est débloqué tout seul. C'est ça, le filtre à eau. On va regarder avant de partir. Si on peut pas le faire, ça serait quand même pas mal. Ça doit être ici. Il nous faut deux pépites de bioplastique, un aluminium, un silicium, un tissu. Ok, et une bouteille d'eau. Bon, on va commencer par la bouteille d'eau. Tac. Je vais en prendre deux au cas où. Au pire, on les jettera maintenant. On n'a plus rien à faire. Il fallait un aluminium, si je vous dis pas de bêtises. Il nous faut un tissu et deux bioplastiques. Alors les bioplastiques, je les ai mis dans le labo. Tac, tac. Et du tissu. Alors ça doit, ouais, ça commence à disponer de l'autre derrière, donc ça c'est plutôt pratique. On va pouvoir récupérer les ospiums qui restent. Hop là. Et on n'est pas très loin d'ailleurs au passage d'avoir le truc pour les arbres. Du silicium. J'ai bien un silicium qui traîne là-dedans. Oui, voilà. Donc je me sers en priorité de cette armoire. Hop. Bon, ça c'est pas une nouveauté, hein. On l'avait déjà eu dans notre ancienne partie, mais on avait dû recommencer parce qu'après il y avait eu les micropuces. Ou alors j'ai peut-être un peu raté tout l'osmium. Ouais. Bon, c'est pas grave, comme vous avez vu, j'en ai à plus savoir qu'en faire pour l'instant. Peut-être que je m'en mordrai les doigts plus tard, mais théoriquement, quand on aura les extracteurs de type 2, on pourra en prendre. Ça, j'ai eu confirmation que ça marchait, donc bon. On peut le faire maintenant pour l'iridium, pas pour l'uranium encore, donc la mine d'uranium, je peux pas l'activer, mais pour le reste, on va pouvoir. Alors du coup, on va aller voir si ça fonctionne bien cette puce comme avant. Tac, normalement n'importe quelle source d'eau. Voilà, il suffit de cliquer, hop là. Et du coup, on peut boire. Alors, et je voulais commencer l'épisode directement là où on s'était trouvé, enfin mis la dernière fois, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs sur place qu'on avait ratés parce qu'on était en pleine nuit. Mais en gros, je vous le dis, il y a un petit bunker là comme ça, enterré. Et c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose de très intéressant. J'ai attendu, j'ai pas voulu le voir, mais j'ai vu qu'il y avait un passage secret. Donc là, je suis sûr de mon coup. Donc, on va se rendre là-bas, tranquillou. Il y a autre chose que je veux vous montrer sur le trajet, qui a l'air vraiment cool, parce qu'on est en train d'avoir les premiers arbres, si je dis pas de bêtises, on en est à 13% ou un truc comme ça. Et en me baladant, en retournant à la base, j'ai trouvé quelque chose. Alors là, ça, je l'avais vu de loin, donc je m'arrête. Poudre explosive, on prend bien sûr. L'uranium, on prend. Le reste, on laisse. On verra plus tard. Alors, est-ce que je le prends tout de suite? Ouais. Je vais le prendre, le zéolite. On sait jamais. Peut-être qu'on en aura besoin. Et regardez bien ici. En fait, cette plante, elle m'a attiré du regard de loin, en fait. Regardez, elle est différente des autres. Jusqu'on est... Enfin, pour l'instant, on n'a pas vu ça. Et en s'approchant, on voit qu'on a marqué plante Volnus. Donc, je l'ai récupéré, apparemment. Oh, yes! Multiplicateur d'oxygène par 500%. Ah, c'est la plus... Non, je crois que c'est 600 le max que j'avais. Bon, bah, réellement, je voulais vous montrer ça. Je sais pas encore vraiment à quoi ça sert. On a le laboratoire d'ADN, donc ça, on va devoir s'en servir. On va le crafter. On fait juste l'aller-retour à cette base qu'on n'avait pas vue la dernière fois. Alors, j'ai un peu fouillé. J'ai toujours pas trouvé de Golden Crate. Alors là, pour le coup, les premières, je les avais trouvées assez facilement. Maintenant, je trouve qu'elles sont bien mieux planquées, quoi. Alors, vous voyez, ici, on s'était arrêté, en fait, là. Alors, on ne le voyait pas parce que c'était en pleine nuit et on avait trouvé juste un petit coffre et on s'était arrêté pile poil là. Bon, d'ailleurs, au passage, je vais prendre ça. Ce sera fait. J'adore le fait que les racines aient poussé et levé les rochers qui étaient au-dessus. Et regardez, en fait, c'est ça qui m'a attiré l'œil, c'est que j'ai vu qu'il y avait des morceaux de verre. Donc, hop, on descend. Et là, bah, la première fois, j'ai regardé, je me suis dit, mais il y a juste des armoires. Alors, j'ai regardé les armoires, il n'y avait pas grand-chose, si je me dis pas de bêtises. On va prendre aluminium soufre, on prend aussi là. Oui, ça j'avais pris. Et regardez bien en fait, vous voyez ici, parce que je me disais c'est pas possible, ils ont juste mis trois armoires, c'est ridicule. Et en fait, ah, voilà, on peut détruire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut détruire d'autres trucs? Non, je sais pas, juste les armoires. Oh, niveau d'oxygène critique, j'avais pas fait attention. Ah, ça donne sur une grotte. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, je suis un peu déçu. Je m'attendais à des trucs plus cool. J'aurais bien aimé une petite puce. Pff,
Franchement, ça, je les prends pas pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et alors, qu'est-ce qui dit le message? Je ferai tout ce qu'il faut pour quitter cette planète. J'ai dû creuser profondément pour trouver les ressources nécessaires à la construction d'une plateforme de lancement. Les tempêtes ont été moins fréquentes ces derniers temps. Je dois trouver un gros cratère de météores pour construire la plateforme au fond afin d'être protégé des vents. Les champs magnétiques de cette planète sont complètement fous. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Une fois de plus, je quitte ce refuge en espérant pouvoir y arriver. Alors, ça veut dire qu'il y aurait peut-être une plateforme de lancement quelque part? Alors le truc c'est que là j'ai quand même bien fouillé la map et je l'ai pas trouvé. Donc on va essayer de trouver ça. Pas forcément là, mais en tout cas on va essayer. Bon, bah on repart, c'est bien tout, il n'y a rien d'autre. Me dis pas qu'il y a un petit truc derrière là. Bon, il n'y a rien du tout derrière. Attends, si je me mets en mode déconstruction, on sait jamais. Non, je peux juste déconstruire ça. Ok. Bon. On remonte et on va se retrouver direct. Bon, c'est par là. À la base pour essayer de crafter les nouveautés. Ah, je vais juste prendre ça au passage là. La zéolite qui est ici. Des fois qu'on en ait besoin maintenant. Et j'ai fouillé hein, tout ça pour l'instant, j'ai rien trouvé. Quoi. Bon allez, je vous fais une petite ellipse et on se retrouve à la base. Alors, on est de retour à la base et j'ai tout rangé, à peu près tout, sauf ce qu'il nous fallait pour la suite. Je voulais juste tester cette plante, donc on va enlever celle-là qui est qu'à 400%, que à 400%. Et on va mettre celle-là à la place, on verra bien ce que ça donne un petit peu après. J'espère que c'est joli. Ressemble à quoi? J'imagine à celle qu'on a vue tout à l'heure, mais bon. Et du coup, là, on va s'attaquer à tout ce qui est quartz pulsé et manipulateur d'ADN. Je sais pas du tout encore à quoi ça va nous servir. Alors, pour un quartz pulsé, il nous faut de la zéolite, de l'osmium, de l'uranium et de l'iridium. Donc, j'avais tout récupéré, je vous avais dit. Hop, on va se faire ce fameux quartz. Tac, je vais voir un peu. Contenant d'énormes quantités d'énergie. Ok, on n'a pas appris plus de choses. Et maintenant, on va essayer de se crafter ça. Alors, ça consomme 117. Faut juste que je vérifie que j'ai assez d'énergie, puisque là, on commence à être un peu short. 113, enfin 133, ok. Donc là, après, il faudra que je fasse absolument un réacteur nucléaire. Donc je vais peut-être faire aussi une fusée aussi, au passage, parce que j'ai plus beaucoup d'uranium. Donc on va crafter ce truc-là, on va le mettre où? Dans le labo, je pense, quand même. Ça me semblerait être la meilleure option. Hop, on va le mettre là. Ok. Je le réalignerai peut-être après. Je fais ça. À quoi ça sert tout ça? Agent mutagène. J'en ai pas. Dommage. J'ai des échantillons de bactéries. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Ah, séquence génétique. Ok. Donc si on prend une écorce, une graine de machin et un agent mutagène. Ah ouais, mais il faut un agent mutagène à chaque fois. J'en ai pas, ça. J'en ai pas un seul. Et j'ai pas encore le gaz qu'il nous faut pour pouvoir le faire. Et non. Vous voyez, j'ai des écorces, j'ai des graines. J'ai déjà un truc pour un arbre, mais j'ai pas du tout... Ok, donc ça c'est cool. Par contre, ça veut dire qu'on va pouvoir se faire à peu près tous les arbres. On pourra faire tous les arbres. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que j'avais un peu peur qu'on les trouve pas. Donc ça, ça m'arrange vraiment, quoi. Il y a un autre truc que je voulais faire là tout de suite, bon pour l'instant on peut pas, c'est à combien l'extracteur de gaz là? Parce que, alors attendez, je vérifie quand même, ouf, je prends les murs, si je dis pas de bêtises, voilà, il nous faut une cartouche de méthane pour pouvoir faire ça. C'est dommage qu'on n'en ait pas trouvé une seule, ça m'aurait bien arrangé, juste une au moins quoi. Quoique d'un côté non, après je peux pas mettre l'arbre, donc ça n'a pas de sens. Ok, alors du coup on va regarder un petit peu. Là, on en est très loin. Il nous en faut 79, on est à 1. Le T2, on s'en fout. 750, ça approche à grands pas. Oh, ça sera peut-être le prochain objectif, ça. Et ici, 100 pour l'extracteur de gaz. Ah ouais, on n'est même pas à la moitié. Donc, il va falloir augmenter la pression de façon assez significative. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer tout de suite une fusée à uranium, si je dis pas de bêtises. J'avais préparé des moteurs d'avance histoire de jamais me retrouver à court. Je veux juste voir ce que ça coûte. Je me rappelle plus du tout. Hop, pas besoin de l'échelle. Hop, uranium. Donc il nous faut deux super alliages, du cobalt et un moteur. Ok, le moteur coûte de l'uranium. Donc c'est pour ça que je vous dis que je veux pas me retrouver à court. Donc j'avais préparé des moteurs d'avance. Ils sont dans le coffre. À l'entrée là-bas.
Donc attendez, il nous faut 3 cobalt et 2 super alliages. Alors les super alliages, maintenant qu'on a du titane en illimité, du coup c'est plus du tout une ressource rare, on peut les crafter tout simplement. Vous récupérez un élément de chaque, vous le fusionnez, ça fait un super alliage. Hop, on a dit 3 cobalt, ils sont là. Ouh, mon stock de cobalt descend à force. Tac, on va récupérer un moteur de fusée. Ici. Ouh, j'en ai même 3, ça c'est bon ça. Parce que le moteur de fusée, juste pour vous remontrer quand même, ça coûte un peu cher quoi. Il faut 2 uranium et une barre d'iridium. Bon, la barre d'iridium maintenant on s'en fout, mais il faut toujours un peu d'uranium. Si vous n'avez plus d'uranium, bah, vous êtes bloqué entre guillemets. Enfin si, on pourrait toujours démonter un réacteur nucléaire et 2-3 objets histoire de consommer moins. Hop, bon bah cette fois c'est nous qui allons appeler les météorites. Alors, voilà, fais-nous ça. Et alors, on m'a dit aussi qu'on pouvait monter sur les fusées. Ah, c'est chaud! Non, je n'y arrive pas. Par contre, je crois que je l'ai un peu décalé. Ouais, je l'ai un petit peu décalé. Il est parti complètement sur le côté. Alors, oh là là, oh là là, oh là là. Mais non, mais non! Bon alors c'est pas grave parce qu'on a notre première candidate ici. Ou peut-être là. Ok, t'es sous l'eau. Je vais d'abord aller te voir toi. Espérons qu'il y ait un petit peu plus d'uranium que dans la dernière météorite. Franchement. Pour l'instant, on n'est pas rentable. 2. Là. Laisse-moi passer. Ah, ça devient vite le chaos quand même. Il y en a d'autres? Ouais, il y en a encore 2 autres là qui arrivent. Ah bah non, pas dans le canyon, ça m'arrange pas. Je vais jamais pouvoir la récupérer, c'est trop. Ok, sur la falaise. Un peu d'uranium. Voilà. De toute façon, il me faut absolument un générateur. Bien urgent. Là, plein. Oui. C'est ça qu'on veut. Alors, on va aller au plus vite. Hein. Tant pis si jamais j'en rate quelques-uns. Je veux juste pas que ça despawn tout de suite. Alors, ça m'arrange pas bien quand c'est contre les falaises. Là, il y en a. Oh. Sauf quand ça rebondit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Ouh, il y en avait une là, je l'avais pas vu. Bon, bah là, on est clairement rentable. Hein. Tac, ici. Des fois, vous êtes juste pas à portée, quoi. Genre, au centimètre près, vous seriez à portée. Enfin, un centimètre de plus, vous seriez prêt, mais là, non. Alors. Qu'il y en avait une qui était tombée. Niveau d'oxygène bas. Là, voilà. Allez, fais vite, mon coco. C'est rare dans le jeu d'être pressé, mais là pour le coup, je le suis. Quoi, il y en avait que 2 là-dedans? Non. Allez, on va prendre un peu de recul, voir de loin. On va boire un coup, ce sera toujours cette prix. Et on va retourner là-bas, voir si on n'en a pas raté. J'en manque si, d'ailleurs. Oh, mais attends. La meilleure façon de voir. Monte, 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 s'il te plaît. Non! J'ai trop loosé, quoi. Ça a disparu? Non, ça n'a pas disparu. Là, j'ai pas l'impression.
Bon, ça se trouve dans les commentaires, tu vois, vous allez me dire « Oui, à 3 minutes 52, il y en avait une. » Oui, possible. Mais je l'ai juste pas vue. Parce que je vous assure que je les veux. Enfin, vivement qu'on ait l'extracteur de tier 2, ça sera quand même pas du luxe. Oh, j'ai vu un truc briller, là. Parce que là, une fois qu'on a l'uranium en illimité et l'osmium, bon bah, je pense qu'on est les rois du pétrole, quoi. Hop, bon. Allez, on a suffisamment cherché. Fais voir ce qu'on a récolté. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que ce sera suffisant pour faire un générateur? Je suis pas sûr. Parce qu'il faut... 9 et 9, 18. 18 uranium. On revérifie et après on rentre. Là, n'a que trop duré. Là. Bon, on va dire que c'est bon. Hein. On voit pas plus. Pas m'en empêcher. Tac, allez. Cette fois-ci, on va se faire un générateur supplémentaire. Et on va aussi passer à l'étape d'après, c'est-à-dire au niveau de la bouffe. Améliorer nos petits incubateurs. Là. Hop là. Alors, on a quoi sur nous? Oui, c'est ça que je veux. Pardon. Poser. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous faut? De l'eau, un super alliage et un engrais. Oh, franchement, ça coûte pas très cher, ça. Mais on va d'abord se faire quand même un... le... Ouh, c'est bon, ça. Ça devrait le faire. Juste pour savoir... Non, il nous en faut 3, c'est beaucoup plus cher que ce que je me rappelais. Tac, 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 tac. En espérant qu'on en ait assez, je pense que oui, largement. Je serais obligé de le refaire de mon côté. En cette fois-ci, fouillant vraiment à foison les trucs. Quoique, on est quand même pas mal. 331, il nous faut une poudre explosive, un super alliage et 3 bouteilles d'eau. Alors, la poudre explosive, est-ce qu'il m'en reste? Je sais que j'en avais... Voilà. Je sais plus, 3 super alliages ou 2 super alliages? Un seul. C'était aucun des deux. Bon. Et la bouteille d'eau, on va la prendre dehors directement. Comme ça, on sera pas mal. Tac, je crois que c'est 3. Alors, on va poser ça tranquillou. Encore? Eh ben cette fois-ci, je sais pas ce que c'est. Peut-être de l'iridium quand c'est rouge comme ça. On se fait bombarder, quoi. Je trouve ça trop classe, par contre. Vraiment, enfin, regardez les comètes tomber, enfin les astéroïdes tomber. Je veux juste voir ce que c'est comme ressource. Ou est-ce que c'est juste rien du tout? Ça m'a pas l'air, je crois que c'est du tout venant là. Oh non, ma base. Allons. Bon. On rentre à la maison, on va se mettre à couvert. Hop là. Et du coup, on va regarder un petit peu. Donc, on a dit de l'eau, super alliage et engrais. Engrais, on en a plein, on en a récupéré récemment sans que j'ai besoin de le faire. On va en prendre 3. Ouais, on va en faire 3 pour voir déjà la différence que ça donne. Super alliage, pareil. Voilà. On va ranger l'uranium qui nous restait. Si vous pouviez ne pas détruire ma base, ça m'arrangerait fortement. Et de l'eau, encore de l'eau. Oh non, c'est pas sérieux. Alors j'avais lu que c'était complètement aléatoire les météorites, mais c'est aléatoire autour de vous. Hein. Ça tombe là où vous êtes, c'est pas... Alors du coup, on va prendre ça, ça et ça. On va récolter cela.
Tac, et on va essayer d'en faire deux tiers 2. Alors, il a juste deux poteaux en plus, et il a un truc comme ça. Énergie, chance de récupérer les graines, 100%, vitesse de croissance. 0,6 et 1,1. Ah ouais, donc, c'est deux fois plus, si j'entends bien. Tac. Bon, on a dit qu'on en faisait 3. Hein. On les colle ici. Bon, on était déjà largement suffisant en nourriture, pour tout vous dire, donc en vrai... Je sais pas si c'était très utile pour nous. Mais après, d'un coup, enfin d'un côté, je pourrais peut-être supprimer ces deux-là et récupérer un peu plus d'énergie. Ça se voit aussi, quoi. Et j'ai trop de bouffe. On va manger. Et on va se gaver même. Voilà. Hop, de l'eau, pareil. Bon, du coup, eh ben, on va aller déposer toutes nos saletés dans le coffre poubelle. Qui est plein. Alors je vais vous montrer ce que je fais dès que j'ai un petit peu de temps. 1-1-1, tac, ça il nous en faut pas. Il nous manque un silicium et un cobalt. Et hop, on va se faire un petit super alliage. Ah oui, vous voyez, là il y a de l'aluminium qui vient de tomber. Hop. Et ben non, c'est pas ça que je veux. C'est un silicium. Bon, sinon au pire, vous savez ce qu'on va faire. On va aller au coffre. Ben non, il y en a un là. Par contre, ça reste et ça c'est pratique. Mais les ressources rares disparaissent par contre. On en est à combien? 51 tonnes, c'est pas mal. Il en faudrait un peu plus. Qu'est-ce qu'on faisait? Je sais plus du tout ce que j'étais en train de faire. Qu'est-ce que. Ah oui, un osmium, un super alliage. Histoire de prendre moins de place. Tout simplement parce qu'en fait, je veux poser un. Tac, il m'en faut 3. Super alliage. Je veux poser un truc de pression supplémentaire. Que j'ai l'impression que la pression elle monte quand même relativement doucement. Encore une fois. Pourtant j'ai quand même un max de machines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total. Voilà. J'ai pas vérifié le courant, mais on vient de poser un générateur. Ça m'embêterait que ça casse maintenant. Allez, on va te mettre derrière toutes les autres. On va aller là, tout sera très bien. Hop. Il est où? Tac. Bon, du coup, ça nous parle d'arbres. Je pense qu'on en est au moins à 20%. Je vais aller voir là où je suppose que les arbres vont arriver, c'est-à-dire dans un des nouveaux biomes. J'ai hâte de voir ça. Et je pense que ça doit être à peu près bon. 21%. Bon, on est pas mal. Et ben, pourquoi j'ai une graine sur moi? Et ben, on va y aller tout de suite. On va se retrouver là-bas. Bon, j'étais en train de me balader. Je suis passé dans le biome où il y avait la première station abandonnée, enfin, la première base abandonnée qu'on avait trouvée. Il n'y a pas d'arbres. Donc, bon, bah, je me suis planté. Je pensais qu'il y avait des arbres là-bas. Mais pas du tout. Mais par contre, en revenant, j'ai voulu passer, enfin, vérifier tous les biomes, du coup. Et en revenant, je suis tombé sur une nouvelle plante. Donc, bah, on la prend. Hop. Et on en avait déjà de l'Orema à 450. Ok, bon, c'est toujours ça de prix. Ça nous fait des nouvelles graines. Et cette fois-ci, on va... Oh, regardez, c'est beau! Ah, c'est stylé! Ça le fait trop, ça, franchement. Je vais me mettre devant, ce sera peut-être la miniature. Bon, y a un abonné qui me disait... Ça serait bien que tu puisses réparer la porte ou un truc comme ça. Ça semble un peu compliqué là pour le coup. Je veux pas être. Va falloir désherber au pire quoi. Mais les fougères elles ont l'air plutôt grandes. Est-ce que c'est un arbre ou c'est juste une. Ouais, c'est un peu entre les deux quoi. Ok. Bon, et ben allez, on se retrouve à la base. Oh, par contre, entre temps, j'ai trouvé pas mal d'osmium donc c'est plutôt une bonne chose encore une fois. Youp. Alors en fait, je suis passé par le Grand Canyon là pour voir un petit peu en... si j'avais pas raté des choses sur le côté ici. Et regardez bien, en fait, il y a des lianes. Et là-haut, il y a même une plante. Est-ce qu'on peut monter? Oh! Monter. Ah, excellent.
Bon, je la prends pas, mais voilà, ça c'est nouveau, il n'y avait pas de liane jusque-là. Il y a peut-être des coffres là-haut. Non, j'aurais jamais dû utiliser le jetpack, parce que le jetpack il calcule. Et alors avant, il n'y avait pas d'eau non plus ici, j'avais pas l'impression. Hein. Parce que je suis passé moi réellement il n'y a pas longtemps et j'avais même posé un petit spot pour pouvoir récupérer. Oh, il y a encore une plante là. Vous voyez, j'ai posé une petite base pour pouvoir récupérer de l'oxygène au cas où. Bon, mais je vais revenir fouiller un petit peu ici maintenant que c'est beaucoup plus développé. Mais en attendant, il faut rentrer. Parce que là, nos réserves d'oxygène commencent à être un peu short. J'aurais pu faire un pit stop, mais... La flemme. Youp là. Regardez-moi ça. Ça devient joli quand même, cette planète. Est-ce que là-dedans, il y aura des trucs aussi, maintenant, nouveau? Avec les arbres, je sais pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, pas une seule trace d'arbres, mais des grandes lianes et de la végétation sur la Stargate. Déjà pas mal. Et alors, je voulais pas vous le dire en rentrant, mais bon, vu qu'on arrive, je voulais vous faire la surprise là-bas. Il y a un truc qui s'est débloqué pendant que je me baladais, là. C'est le réacteur nucléaire. Alors, ça a l'air de coûter extrêmement cher. Enfin, le réacteur à fusion, pardon. Il a l'air de coûter très très cher. Mais, bon, autant vous dire qu'il produit... Tiens, on va se mettre là pour une fois. Je veux des arbres comme ça un peu partout. Et autant vous dire qu'il produit énormément de ressources. Il nous faut donc 1, 2, 5 quartz pulsés. Oh la vache. Alors, je vais ranger, je vais calculer ce qu'il faut pour le quartz. On va juste regarder les ressources qu'il faut. Zéolite, osmium, uranium, iridium. 5. Ok. Bon allez, je range tout et on se retrouve une fois qu'on est prêt à faire ça. Alors j'ai tout rangé et normalement on a tout ce qu'il faut. Alors j'en avais fait 2 parce que j'avais tout plus de place dans l'inventaire. Mais du coup il nous en faut encore 3. Ah les ressources, aïe. Parce que par contre, ça, le zéolite, je sais pas si ça repousse sur les plantes ou si on en retrouve ou s'il y en a d'autres qui est généré. Donc pour l'instant c'est la seule ressource. Je sais pas comment en avoir en illimité. Les autres, l'osmium, je sais, mais c'est pas tout de suite. L'uranium aussi, je le sais, mais c'est pas tout de suite non plus. Le super alliage, on en fait à tir l'arigot. Donc j'ai crafté du super alliage au passage aussi, parce que j'avais plein d'aluminium, j'ai un peu rangé ce qu'il y avait là-dedans. Et du coup, on va pouvoir poser notre nouveau générateur. Où est-ce qu'on s'installe? Bah, dans le pôle énergie, qui commence à être un peu chargé, il faut l'avouer. Ah, alors tiens, c'est ça la nouvelle plante. Pas ouf celle-là. Mais bon, c'est déjà ça, ça nous fait un peu plus de dire. Quoi? C'est tout petit comme ça? Ah, ah. C'est une place de choix, non? Je vais voir si ça passe dans la base, juste pour savoir quand même. Ah, on peut le mettre dans la base! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Vous savez quoi? On va le poser dans la base pour l'instant. Le poser là et je le remettrai un peu plus tard en position ailleurs. Ouh, que c'est joli. 1835. Alors juste pour à titre de comparaison, un réacteur nucléaire de tier 2 c'est 331, voilà. Et là on en produit 1008 d'un coup quoi. Bon par contre c'est un peu, enfin ça bouffe des ressources à tirer l'arigot. Mais regardez bien maintenant. Boum, 2000. Donc là maintenant, ce qui va nous manquer, nous réellement, c'est bientôt, on en est plus loin du tout, l'épandeur d'arbres à 65 tonnes. Et là, on en est à 56-54. Et pour ça, il nous faut un peu plus de biomasse. Mais et après, ça va être des trucs beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je vais bosser sur cela réellement. C'est la pression. Vous voyez, il me reste 2 éléments. Ça va être très intéressant pour nous en réalité. Il nous en faut 100 et on est à la moitié, donc je vais mettre de la pression. Je vais crafter des super alliages de mon côté, et histoire de créer un max de, pardon, excusez-moi, de foreuse tier 4. Parce que de l'osmium, on en a. Il me manque juste du super alliage, mais c'est une ressource illimitée, donc en réalité, bah voilà, on peut en faire plein. Donc je vais aller farmer un petit peu de mon côté, et on va se faire ça, quoi. Bon, j'étais en train de me balader un petit peu et j'explorais tous les plateaux en fait du Grand Canyon là. Et du coup, regardez ce que je viens de trouver. Une petite puce, alors ça m'intéresse, de l'iridium, enfin de l'uranium, pardon. Bon, des graines, patati patata, ça c'est beaucoup moins intéressant. Mais cette puce, elle peut peut-être vraiment changer la donne. Alors du coup, on va pas tarder à rentrer.
Et on va aller voir un petit peu. Oh, regardez ce qu'on reçoit. Le timing est parfait. On vient de débloquer l'épandeur d'arbres, donc on va pouvoir planter notre première arbre. Bon, on se retrouve du coup direct à la base. Vous connaissez la chanson. Bon, j'ai tout rangé et on va tout de suite aller voir la puce. Franchement, c'est le truc qui m'intéresse le plus à chaque fois, hein, déjà, dès qu'on a une puce. Nouveau plan reçu, grand module d'habitation. Oh, alors ça, je veux tester ça tout de suite. Qu'est-ce que ça coûte? Faire, 3 titanes et 2 super alliages. Alors ça a intérêt d'être bien, parce que si ça coûte du super alliage et que c'est juste pour mettre 4 l'un à côté de l'autre... Alors, je me suis pas moqué de vous, hein, regardez, hop, j'ai quand même farmé. Tac, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il fallait. 3 titanes, ok. On va prendre le fer ici, parce que j'en ai toujours plein. Et les 3 titanes, on va aller les chercher derrière. Donc on pourra se faire tous les trucs de pression, là, enfin, pour augmenter la pression. Le titane, il est là. 1, 2, 3. Alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est le poser en vrac n'importe où, juste pour voir ce que ça donne. Par exemple, là, collé à notre labo. Alors, voilà. J'espère qu'il y a des murs, en fait, entre les éléments, parce que souvent, il n'y a pas de murs, et ça, c'est un poil dommage. C'est un truc que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des murs de temps en temps. Ah non, il n'y a juste pas de pilier, et ça c'est encore mieux. Ah ouais, pour faire les stockages, c'est vraiment bien ça. Ok. Bon, je ne laisserai pas là, hein, parce que c'est complètement dégueulasse ici, mais bon. Et on va aller voir cet épandeur d'arbres. Ah non, on va d'abord poser... Alors, si, si, on va regarder l'épandeur d'arbres, parce que honnêtement, je veux voir ce que ça coûte. Où es-tu? Mais non, mais j'en ai pas de ça. J'en ai pas du tout. C'est le truc niveau 1 ou niveau 2? Ah si, j'en ai des bactéries. J'en ai fait, je crois. Non, 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 non plus, non plus. Bah on va en faire. Il faut des algues, d'après ce que j'ai compris. 1, 2, 3, je crois. Et de la flotte. Ok, ça, on va le faire tout de suite. Ah, j'ai cru qu'on pouvait pas le faire et qu'il fallait le truc de mutation d'ADN, là. J'étais dégoûté. Hop. Hop, donc ça c'est bon. Voilà. C'est que j'ai dû les utiliser, parce que ça je suis sûr d'en avoir déjà fait, quoi. Bon, c'était dans ma partie précédente. Il nous faut un super alliage gelé, un engrais j'ai, l'écorce on a aussi, et le bioplastique on a. Alors, l'écorce, voilà, le bioplastique il est là, et l'engrais il est là. Ouh. Alors là, je peux pas être plus content. Fais voir, on va mettre ça. Alors là, par contre, on va vous donner une place de roi, ici. Non ? Pourquoi ? Je peux pas le mettre là ? Il faut aller le mettre dans un bio particulier ? Ah. À placer sur l'eau. Ah pardon, j'avais pas compris. Ah bah ça m'arrange si c'est sur l'eau. Vous savez où on va aller le mettre? Là-bas, vers le petit lac. Non, non. Pense à ta miniature. On en fera un autre plus tard qu'on mettra ailleurs. Hop là. Ça sera quand même beaucoup plus joli si c'est par ici. Ok, alors est-ce qu'il se passe quelque chose de base ou pas? Jungle. Biomasse, 85 grammes par seconde. Croissance, 0%. 31 en énergie. Bon, j'imagine qu'il faut mettre ça. Impérativement. Et on va laisser faire son petit bonhomme de chemin. Quoique là, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Hein. Non! On va d'abord tester ailleurs, parce que si ça me fout des arbres à des endroits et que je peux pas les virer, on va aller les mettre ailleurs. Parce que là, c'est quand même ma base. La jungle, on va la faire ailleurs. Ici, ce sera parfait.
Bah là, c'est très bien. On fait comme ça. Ok, je peux te mettre que par là, donc c'est très bien. Et on va voir ce que ça va donner. Hop là. Bon, en attendant, j'avais dit une chose bien avant, c'est qu'on allait booster notre génération de pression à fond. Et normalement, on a masse d'osmium et de super alliage, on en a plein. Je vais d'ailleurs pouvoir faire le tri. Alors j'ai looté pas mal de zéolites pendant que je me baladais aussi. On est bien. Vous voyez, j'ai même plus de place pour les plantes, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Là, on a de quoi en faire 2. Donc il nous faut 12. Super alliage dans un premier temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, j'ai arrêté de compter. Voilà, ça te fait faire 12 normalement. Hop là. On va vous déplacer un peu parce que là vous commencez vraiment à prendre beaucoup beaucoup de place. Il faudrait pas non plus que ça gêne la forêt. Si forêt il y a, je sais pas du tout ce que ça va faire. Et ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé de plus savoir ce qui allait se passer du tout. Et... Ouais, déplace-toi un peu là-bas, c'est très bien. Non, je regarde hein, quand même. Il n'y a pas une branche là. Non, parce que dans le jeu, quand même, les plantes vont assez vite. Bon, j'imagine qu'un arbre, ce sera peut-être pas la même chose. Oula, c'est la tempête là. Bon, ben on va attendre demain et on va regarder un petit peu plus. Au pire des cas, est-ce qu'on se ferait pas un petit dernier truc de pression? Je vous explique juste pourquoi je fais ça. Alors, il nous reste un dernier objectif ici. Non, on l'a fini d'ailleurs, ça y est, c'est bon. Ouh, 920 oxygène par seconde, ça c'est pas mal. 85 de biomasse, ça doit pas être foufou, ça je m'en rends pas compte. Ce qui nous manque, c'est vraiment de la pression, tout simplement. On veut obtenir... Donc la chaleur, on a tout fini. Là, l'oxygène, bon, on l'aura à terme, mais on n'est pas spécialement pressé, c'est pour les arbres. Là, il en reste un pour les arbres aussi en global. Par contre, la pile à combustible, 578 GTI, j'en suis à 1,64. Donc là, il va falloir mettre un peu les bouchées doubles, quoi. C'est l'extracteur de gaz, en fait, qui m'intéresse le plus maintenant, parce que j'en ai besoin pour aller faire de la manipulation d'ADN. Donc ça, je vais essayer, en gros, de booster ça d'ici le prochain épisode. Et en gros, on va se mettre de la pression. Est-ce qu'on a assez? Je regarde quand même par cœur. 1800. Bon. Et bien, vous savez ce qu'on va faire. On va mettre d'autres machines à pression, quitte à les démonter un peu plus tard. Je suis en train de crever de quoi, là? De bouffe? C'est pas souvent, ça. Alors, on a un peu de bouffe. Bon, du coup, eux me suffisent amplement, en fait. Ces trois-là me suffisent largement. Je crois que je m'en sers que d'un, en réalité. Je pense qu'avec deux, vous êtes bien. Là, j'en ai plus. Donc, on a dit du super alliage. Tac, 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 tac. C'est combien? C'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, si je prends 6 osmium, normalement, on peut poser deux machines de plus. Hop là. Et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien quand même avoir l'arbre. Mais bon, mais t'as vu que ça se fait pas en 3 secondes. Ah, ici, il y a un truc, regardez. Là, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Oh, t'es trop choupinou! Ah, c'est énorme. Ça va être trop bien. Ah, il y en a là-bas aussi. Ok, je vais en mettre de partout, ça. Dès que je pourrai avoir des arbres, par contre. Parce que, pour l'instant, on n'a pas le truc génétique. Donc, on peut pas en multiplier. Et on n'a qu'une graine. Je me demande quand même par curiosité si j'y mets rien dedans, est-ce qu'il se passe quelque chose. Oh, oh. Ça s'est joué à rien du tout. Ça s'est vraiment joué à rien. Alors, bon, du coup, dernier, je suis complètement perturbé. Voilà. Et on va aller voir un petit peu nos indices. Normalement, ça devrait bien évoluer un peu plus vite là quand même avec toutes ces machines que j'ai mis. Je pense que j'ai doublé la production dans l'épisode.
Pression 5937. Ouais. Et on est à 41% des arbres, et j'ai toujours pas vu un arbre à part les lianes dans la nature. Donc bon, voilà. Bon, mais on va... Non, on va aller voir les arbres quand même. Peut-être avec... Ça serait quand même peut-être un peu mieux. Bon, je les ai laissés un petit peu pousser, on va dire, et j'ai l'impression qu'on est à peu près au max. En tout cas, bah, sinon, c'est que ça va très lentement, pour le coup. On va voir, on peut peut-être regarder sur la machine, est-ce qu'elle nous dit quelque chose. Avec un peu de chance. Croissance 100%. Bon, bah, je pense que c'est bon. Alors, j'en ai crafté une deuxième en me disant, bah, avec un peu de chance, on va pouvoir récupérer des trucs, mais bah, j'ai pas l'impression. Donc, pour l'instant... Moi, j'aurais bien découpé celui-là, le premier arbre, histoire de lui dire, bon, attends, on va faire des petits frères avec une bouture, quoi. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, voilà. Bon, mais du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal avancé. Il y a d'autres trucs que je voulais vous montrer, mais que je vous montrerai sûrement dans le prochain épisode. Par exemple, le GPS de niveau 2, ce qu'on l'a toujours pas fait. Et puis, on verra aussi les fameuses vitrines qu'on a toujours pas fait non plus dans cet épisode, mais bon, sinon, la vidéo va durer des heures. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure.